Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Lotus Pacham. Donc on va commencer le tirage de tarot. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires hier, c'était très enrichissant. Et je voulais vous dire aussi que c'est pas parce que vous traversez des problématiques assez lourdes en ce moment que... Bon, ce que j'ai compris, c'est quand même qu'il y a des personnes dont c'est pas... C'est pas les perdreaux de l'année, vous voyez. Donc c'est pas évident parce qu'on peut se dire que finalement, genre à mon âge, tout changer, faire table rase, bouger. Il y a des gens qui sont certainement dans un certain confort matériel, en tout cas. Et c'est pas évident, en fait. Et donc vous vous dites peut-être que bon vous avez plus l'âge justement pour passer à autre chose. Parce que j'ai eu aussi une personne qui m'a appelée directement au téléphone hier, une femme, pareil. Et parce qu'en fait vous avez pas confiance en vous, mais c'est pas une question d'âge. C'est une question de priorité en fait. Et c'est vrai quand on traverse pas mal de défaites en fait. Ben en fait, c'est pas évident de se remettre en cheval. Se remettre en selle. En cheval, la tâche pas. Il y a ça, et puis aussi, il y a beaucoup de personnes qui me disent toujours un peu la même chose. J'ai pris des conseils auprès d'un tel, un tel. On m'a dit qu'il fallait que je lâche prise, mais je lâche pas prise, j'arrive pas. Il n'y a rien qui bouge, j'ai l'impression de tourner en rond. Bon. Alors c'est pareil, le lâcher prise, mesdames et messieurs, c'est une grosse boulette hein, des psys. C'est comme les gens qui disent qu'il faut être dans la résilience, hein, tout ça c'est des grosses conneries. C'est comme si, en fait, vous devez faire un marathon, je vous explique. Et en fait, on vous explique en fait comment vous allez être au moment où vous allez passer l'arrivée. C'est-à-dire qu'au moment où vous passez l'arrivée, on vous dit, ah ben, il faut... Voilà, c'est ça le lâcher prise. Et il y a 42 km avant à faire. Et ça, on ne vous dit pas comment les faire. Et hier, en fait, ça m'a mis vraiment en colère de voir qu'il y a des gens qui sont complètement en dépression, qui sont même très, très en dépression, à qui on raconte des salades, c'est-à-dire lâcher prise. Alors qu'évidemment, on ne peut pas lâcher prise quand on a 40 ans ou 30 ans de croyances erronées dans la tête et qu'on est complètement des petits bouchons livrés aux émotions. Dès que quelqu'un vous parle, vous fait une pichenette, vous avez l'impression qu'on vous met un marteau sur la tête. Parce que vous êtes engrammé en fait dans des croyances complètement erronées. En plus, bon, avec l'éducation, évidemment, il n'y a pas que vous qui êtes engrammé, il y a toutes les personnes aussi de votre arbre généalogique. Et donc vous avez tout ça sur les épaules, et tout ça, c'est une énorme enclume qui vous tombe sur la tête. OK? Et donc les gens vous racontent que, évidemment, avec l'enclume qui s'est accumulée depuis des siècles, en fait, vous allez pouvoir lâcher prise comme ça du jour au lendemain. Inutile de vous dire, c'est une grosse bêtise. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est-à-dire, eh ben, petit à petit, il faut comprendre ses émotions, il faut lire, il faut écrire un journal, et comme ça, vous allez devenir, je vous dis, l'expert de vous-même, parce que le boulot, là, personne ne peut le faire à votre place, et surtout pas les psys qui ont aussi des gros problèmes mentaux à régler, parce que les psychiatres, évidemment, ne sont que dans le mental, et il faut pouvoir descendre dans le corps pour, évidemment, être dans le cœur. Voilà, bon bah écoutez, je m'arrête là. Donc là, on a les lumières de la ville avec Charlot. Donc voilà, souvenez-vous de ce film. Donc en fait, ce qu'on peut dire avec un œuf de denier, et bien écoutez, en tout cas, c'est quelque chose de très positif. Il y a quelqu'un dans une ville qui voit des lumières. C'est peut-être, vous avez peut-être un petit peu l'âme d'un Charlie Chaplin, cher masculin. Et peut-être aussi, vous vous êtes fait aussi éponger, ou en tout cas, mais on va dire que c'est intéressant parce que là, on n'est plus dans la dualité entre la matérialité et, on va dire, le cœur, hein, puisque Charlie Chaplin, évidemment, c'est cela. Et donc là, vous êtes, on va dire, éclairé par rapport à...
Vous êtes éclairé en tout cas sur une situation et peut-être qu'il y a aussi un changement en termes de valeurs humaines par rapport aux valeurs matérielles. Après, c'est la fin physique d'une relation affective. Vous êtes dans la déception, vous êtes dans le chagrin, vous êtes dans le décalage social aussi. Et on peut dire aussi, pour d'autres, c'est la fin d'une relation heureuse. En tout cas, il y a beaucoup de tristesse. Mais on va dire que cette relation heureuse était basée aussi sur beaucoup de matérialité. Donc, vous êtes aussi en train de regarder votre passé. Vous êtes en train de vous dire, bah, j'étais quand même bien avant. J'avais quand même beaucoup de confort matériel. Mais en même temps, je vous dis, avec les lumières de la ville, peut-être que vous partez un peu comme un clochard. Mais en tout cas, le clochard s'appelle... Ça s'appelle Charlie Chaplin et donc là ça va être les grandes illuminations. Bon alors après le voisin j'ai les avions, c'est génial. Et donc en tout cas c'est après une période d'attente que vous avez cette illumination en tout cas. Cette illumination qui va vous apporter en tout cas beaucoup d'abondance hein, puisqu'on est sur un 9 de denier. Et c'est après donc en contre j'ai fenêtre sur cour, souvenez-vous de ce film très intéressant. Et donc, c'est peut-être aussi parce que vous avez une période en fait de stagnation ou une période où vous étiez chez vous, une période d'attente où vous étiez peut-être malade ou en tout cas, là, vous êtes en train de sortir de la maladie et vous êtes probablement aussi dans un certain chagrin. Alors, je vais mettre la carte à l'envers parce qu'il faut que je les souvenir. Donc là, c'est la balance. Donc il y a quelqu'un autour. Alors la balance, souvenez-vous de ce film. Voilà. Donc il y a quelqu'un autour de vous qui a joué les balances, hein, c'est-à-dire qui a raconté des choses sur vous, qui vous a tout simplement balancé. On est sur un 8 de bâton. Hein, donc on peut dire que. Bon bah c'est vous êtes en train de vous battre, il y a eu un combat on va dire, hein, donc combat on va dire interne, dualité mentale, il y a des choses en fait qui étaient cachées, il y a des choses qui étaient mises dans un placard et quelqu'un est allé dérober des informations pour les livrer à la partie adverse. Et donc c'est pour ça qu'on a la balance. La balance, c'est aussi la justice. Bon, bah, je ne vous refais pas le truc. On est sur un 8 de bâton. Donc, en fait, bon, bah, c'est quelqu'un, en tout cas, qui se fait avoir aussi voilà, sur des informations. Il y a des cases que vous n'avez pas cochées, hein, les masculins. Il y a des choses que vous n'avez pas vues. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il n'y aura pas d'intransigeance par rapport à cette balance. Alors, c'est peut-être une personne un membre de votre famille ou un de vos amis. Il n'y aura pas de pardon. Et donc là, en tout cas, on va aller vers une forme de destruction. Donc, on va couper en fait des liens. Ça va occasionner beaucoup de déséquilibres. Alors, des déséquilibres aussi par rapport à des projets que vous étiez en train de mettre en place. Donc il y a quelqu'un qui a balancé une information là qui est assez importante, hein, vraisemblablement. Ça correspond à un karma négatif. Et en même temps, on est aussi sur un retour de flamme, donc on va dire sur le retour aussi de quelqu'un. En contre, j'ai le double et l'hermaphrodite. Donc bon alors soit je vous dis c'est des relations, on va dire, de bisexualité, soit c'est c'est des personnes en fait qui ont une double personnalité, qui sont un peu schizophrènes, vous voyez, ou soit en fait il y a quelqu'un qui joue un double jeu ou un double rôle. Voilà, donc c'est exactement ça. Donc il y a quelqu'un en fait qui vous a extorqué des informations et qui a tout balancé. Donc on va vous dire que c'est le destin. Évidemment, ça vous met dans une certaine rigueur, donc une rigueur par rapport, en tout cas, donc ça concerne des signatures, ça concerne de la justice, des signatures légales, ça concerne un verdict qui va être rendu, et ça concerne aussi de la transformation, de l'évolution en fait au niveau karmique.
Et donc, en tout cas, il va y avoir beaucoup de rigueur qui va être appliquée. Hein. C'est le destin, hein. C'est votre karma. Vous avez une dette à payer, ou en tout cas, vous l'avez payée. Et c'est par rapport à un double. Alors, un double, ça peut être un membre de votre famille, genre un frère jumeau. Ça peut être aussi un père avec un fils. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Ou ça peut être en fait les meilleurs amis du monde, évidemment, qui finissent. Il y en a un des deux qui balance l'autre. Voilà. Et il y a un retour de flamme. Il y a le retour de quelqu'un. Donc là, nous avons toujours la nuit à New York. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, Seattle, parce que j'avais tiré la dernière fois Seattle, avant de s'appeler Seattle du nom d'un chef Sioux, eh bien, avant, Seattle s'appelait New York. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on peut dire que, bon, ben, on est toujours à New York, en tout cas. Bon, Les Lumières de la Ville avec Charlie Chaplin, c'est ça aussi. Hein, on est à New York. Et donc là, bon bah écoutez, on retombe justement sur voilà, il y a une nouvelle étape hein, qui se profile par rapport, je vous dis, à Wall E, hein, parce que Wall E c'est e-robot, hein, donc recherche le grand amour. Donc en fait, il y a des gens qui ont recherché le grand amour ou leur âme sœur, on va dire avec des chabots, hein, c'est-à-dire avec je veux dire, c'est des gens qui ne sont pas sortis de leur cercle familial ou de leur cercle d'amis et ils ont recherché leur âme sœur à travers évidemment les mêmes codes sociaux. C'est pour ça qu'il y a peut-être eu beaucoup de plantus et en tout cas, il y a eu beaucoup de stagnation et de ralentissement. Et par rapport à cela, en tout cas, il y a pas mal de décisions qui ont été reportées. Donc, ce qu'on peut dire par rapport à la balance, qui est en même temps des histoires de justice, eh bien, il y a des masculins qui vont passer une nuit à New York ou dans un pays étranger, probablement par rapport à une décision de justice, un verdict, voilà, ou qui ont passé, on va dire, bon, c'est en cours, hein, soit c'était hier ou avant-hier, soit c'est maintenant. Et donc, c'est par rapport en tout cas à de la justice et c'est par rapport à une signature en fait qu'il faut que vous fassiez. Voilà, dans un pays vraisemblablement étranger. Donc, en fait, là, il y a avec une nuit à New York, il y a une nouvelle étape. Il y a des nouvelles idées, il y a beaucoup de discussions. Donc, voilà, ça peut être aussi un voyage artistique, ça peut être aussi quelqu'un qui est en vacances, hein, évidemment. J'invente rien, on est au mois d'août. Voilà, donc il y a une nouvelle aventure, une nouvelle passion, de nouveaux espoirs. Et en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez voir le fond des choses avec les lumières de la ville. Voilà, donc les lumières de la ville, après avoir été probablement pour certains en convalescence avec fenêtre sur cour. Et en dessous, j'ai le mépris. Bon, je vous dirai ça tout à l'heure. Donc voilà. Donc là, on a Highlander. Bon, bah écoutez, ça revient. Vous avez compris qu'il faut choisir des priorités dans la vie. Voilà, faut pas se disperser, les amis. Et là, on a donc en fait, on a Highlander, donc un très beau film. Donc, il y a peut-être des gens qui sont en train de se balader en Écosse ou qui se prennent pour Highlander aussi. Donc, en fait, Highlander, ma carte, en tout cas, signifie que vous êtes en train de lever le voile aussi par rapport à votre transgénérationnel et par rapport en fait à vos ancêtres, à votre arbre généalogique, à tout ce que vous avez engrammé, on va dire, dans votre ADN. Donc, il y a vraiment des gens qui sont en train de redescendre dans leur corps. On est sur, parce que là on était sur un as de bâton, donc une nuit à New York évidemment, je vous dis, il y a un retour de flamme, il y a une nouvelle passion, un nouveau projet en tout cas, et vous allez aller vers le succès et la créativité. Et là nous avons un 3 de bâton, donc très clairement c'est des gens qui partent à l'aventure, il y a une énergie de progrès, il y a une expansion. Il y a une créativité, il y a de la communication en tout cas, donc il y a des féminines qui vont recevoir des messages, il y a un résultat inespéré, et donc en tout cas vous êtes en tout cas dans l'entrepreneuriat, les masculins, et vous allez aller vers le succès, et vous allez célébrer en tout cas cette réussite, hein. Donc on va dire peut-être par rapport à ce que je dis, il y a peut-être un verdict on va dire par rapport à une signature légale, et à la suite de ça en fait vous allez célébrer une certaine réussite,
Vous allez être beaucoup dans l'aide aux autres. Alors, mon dessin est assez explicite, c'est-à-dire que voilà, là il y a un contenant, hein, et il y a des pièces qui tombent. Il y a des pièces qui tombent parce qu'on est en train de soulever le voile par rapport en fait à une passion ou à un projet, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, et on sort complètement de ces émotions, on n'est plus un petit bouchon. Et donc avant, on avait le loup de New York, hein, donc des gens qui voyaient les choses, on va dire, à court terme, qui avaient une vision courte et surtout qui restaient aussi dans la vision peut-être de leur milieu. Et évidemment, les résultats en fait étaient totalement entravés. Donc en fait, c'est un 3 de bâton à l'envers, évidemment. Le choix était spéculatif, la vision était courte et les occasions étaient manquées. Donc là, on est vraiment sur une personne qui a vraiment une très grande ouverture, vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Mais là, en fait, il y a des gens qui vont être dans l'aide aux autres et dans l'entrepreneuriat. Et donc, on va dire, ce nouveau projet, en fait, ce nouveau contenant va vous permettre, en fait, de recevoir l'abondance. Et je voulais vous dire, là, sous les lumières de la ville, j'ai le mépris. Alors, le mépris, très beau film, évidemment, avec Brigitte Bardot. Le mépris, donc, c'est assez intéressant parce que vous étiez, on va dire, vous êtes en tout cas dans l'indécision, le doute, vous êtes dans la défense d'une position, vous êtes dans la négociation, on est sur un set de carreaux, hein. Vous pouvez être dans les peurs et l'inertie et l'anxiété. Et on va dire que c'est par rapport aussi, vous avez du mépris par rapport à une féminine, en tout cas certains masculins. Et donc, en tout cas, vous allez surmonter en tout cas ce défi parce que vous allez avoir beaucoup d'originalité. Vous allez être dans la confiance de votre intuition. Vous allez avoir beaucoup de courage et vous allez en tout cas transmettre des idées originales. Donc ça, c'est ce qui va arriver. Voilà. Et ça va être peut-être une femme comme ça aussi, hein. Des idées originales dans l'intuition. Et là, en contre, j'ai Le Mans 66. Donc, ça concerne évidemment, je crois que c'est un film avec Steve McQueen, Le Mans 66. Donc, ça concerne une course de voiture. Donc, en fait, on est dans la dualité du mental. On peut être dans la dualité avec plusieurs femmes ou plusieurs potentiels ou plusieurs passions. Et donc, en tout cas, par rapport à une femme, eh bien, vous étiez dans le mépris. Mais vous allez être éclairé évidemment par les lumières de la ville. Alors, je prends mon tarot, hein, parce que là j'ai beaucoup parlé, il faut que je me dépêche, sinon ça a duré. Voilà. Donc en fait, là, il y a de la trahison, hein, la balance, la justice. Bon, il y a quelqu'un qui a donné des informations à la partie adverse, hein, donc si c'est pas fait, les amis. Méfiez-vous, faites attention, et ça se passe à New York, ou ça se passe avec des personnes qui sont soit d'origine étrangère, soit qui habitent dans une ville à l'étranger. Et c'est des choses qui vous ont énormément ralenti, hein. Parce que vous étiez avec des personnes, voilà, il n'y avait pas d'originalité, il n'y avait pas de créativité. Bon. C'est des gens qui appliquaient les process, on va dire, vous voyez? Et donc les décisions avaient été reportées. Et donc l'as de bâton, là, il y a une nouvelle étape. Hein. Et là, il y a des discussions. Hein. Il y a des discussions, il y a de l'action. Voilà, parce que bon, avec le 3 de bâton à côté, je veux dire, Highlander, voilà, il y a des masculins. Ils vont devenir des Islanders, hein, vous voyez, c'est. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, avant, je vous dis, c'était le petit loup de New York, hein. Donc, on parle beaucoup de New York, hein, voilà. Donc, on parle beaucoup d'étrangers. Donc, il y a des gens qui sont vraiment en contact avec des personnes d'origine étrangère, soit dans de la justice, soit des gens, en fait, qui vous trahissent, soit des gens qui racontent des salades sur vous. Voilà, et là, en fait, il y a des masculins, ils vont être intransigeants, hein. Pas de pardon, hein. Voilà. Donc, en fait, on sort de la dualité du mental. Oula, j'ai des cartes qui ont tombé. Bah, je vais les prendre. Hop.
Il y en a deux sur Highlander. Hop. Alors là, on est sur le chariot à l'envers. Donc on est toujours sur de l'enlisement. Voilà. De l'enlisement, mais enfin bon, on va avoir les éclaircies de les lumières de la ville, on va dire. Il y a quelqu'un qui est en train de se balader, on va dire, dans un pays étranger, dans une ville, et qui va être éclairé en fait. Et donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que vraiment ça va être un accomplissement matériel. Ça, il va y avoir de la sagesse, de la sérénité liée à l'étranger ou à une personne d'origine étrangère. Voilà. Accomplissement matériel, plaisir avec une personne étrangère. Voilà, les lumières de la ville. Alors là, nous avons sur la balance, on a le soleil inversé. Le soleil inversé sur la balance, bah écoutez, ça concerne en fait, la balance, ça concerne une union. Donc la balance, c'est la justice. Le soleil, je dis, c'est coffre, c'est 19, c'est l'union. Donc en fait, il y a un déséquilibre, on va dire, dans une relation sentimentale. Il y a un hermaphrodite aussi, je veux dire, en contre. Donc on va dire, c'est des relations de duperie, de tromperie. Et là, en tout cas, il y a un masculin qui va être intransigeant par rapport, en tout cas, à une décision de justice, par rapport à une signature. Et là, il n'y aura pas de pardon. Pourquoi ? Parce que on est sur un 8 de bâton. Et donc, on est sur un retour de flamme. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui a une autre idée, on va dire. Et il y a quelqu'un qui va solder aussi un karma négatif. Et ça concerne, je vous dis, un déséquilibre dans une union. Donc, c'est probablement un divorce. Je suis désolée pour le bruit. Hein. Donc là, on est sur un 3 de denier à l'envers. Donc clairement, les masculins, vous avez fait des partenariats avec des gens de l'étranger et on va dire que ça s'est soldé par un échec parce que en fait, il y a eu de la stagnation, il y a eu des décisions reportées, ça vous a énormément ralenti vraisemblablement. Et là, en tout cas, par rapport à cela, vous êtes en train d'aller vers un autre partenariat, voilà, avec des idées nouvelles. Et en l'occurrence, bon, il y a eu des, y a, on va dire, pour le moment en tout cas, vous êtes en train de quitter un partenariat avec des personnes d'origine étrangère ou peut-être dans un pays étranger. Highlander. Alors, sur Highlander, j'ai le valet de denier et la tour. Donc là, elle est à l'endroit, hein, mes amis. Donc on va dire les lumières de la ville, je vous dis, la ville est très très éclairée, il y a du feu partout, ça brûle de partout, hein, voilà. Elle est très éclairée cette ville. Et de l'autre côté, en fait, avec Highlander, on est avec une personne qui a un projet, en fait dans la main, qui a un projet financier, hein, donc ça on le voit bien avec une nouvelle étape, pro-créativité. Voilà, succès, des nouvelles idées, des discussions. Mais là, en fait, en contre, j'ai... le problème, si vous voulez, en contre, j'ai un 3 de denier inversé. Donc, en fait, pour l'instant, en tout cas, si vous avez fait des partenariats, c'est de la stagnation. C'est visiblement pas les bonnes personnes. Parce que ces gens-là sont dans un process. Et donc, en fait, ils ne peuvent pas partager, en fait, des nouvelles idées, des trucs originaux. Et comme j'ai la balance à côté, il faudra faire très attention, en tout cas, au partenariat que vous avez avec ces personnes. Alors, bon, vraiment, désolé pour le bruit. Hein. Et donc, en fait, on va dire que par rapport à un nouveau projet... par rapport à ce valet de denier, en fait, eh bien, il va y avoir une complète transformation, un éclaircissement. Voilà, parce que vous aviez peut-être vu les choses à court terme, vous étiez peut-être dans la fierté, et on va dire, vous faisiez peut-être des choix spéculatifs. Et donc là, en fait, vous allez aller vers beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de communication.
Il y a une énergie de progrès, en fait, hein, puisqu'on est sur un valet de deniers. Voilà. Et ça concerne l'entrepreneuriat. Oh là là. Ah, la Corse, qu'est-ce que c'est bruyant. Ah, les hélicoptères, les avions et les voisins. Génial. Alors. Donc là, on a le monde. Voilà. Donc en fait, je ne sais pas si vous voyez bien mes cartes en tout cas, parce que moi je ne vois pas du tout. Donc c'est la carte du monde. Donc bon, bah, pour moi c'est la carte numéro 22. Donc en fait, le monde, évidemment, bah, ce sont des personnes qui voyagent, qui vont à l'étranger, qui s'ouvrent sur d'autres continents, d'autres connaissances et sur d'autres idées, sur d'autres partenariats. Donc là, on est sur un 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, bon, c'est quelqu'un qui travaille énormément. C'est quelqu'un qui, voilà, il travaille beaucoup, mais on va dire que les gains ne sont pas au rendez-vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur la balance et c'est un 8 aussi un 8 de bâton. Donc, comme on est passé par le portail du 8-8 il n'y a pas longtemps, hein, le 8 août, eh bien, on peut dire que le 8 août, il y a eu une signature où il y a quelqu'un qui a pris sa décision. Et cette décision, évidemment, a été extrêmement travaillée, hein, puisque le 8 de Pentacle, on travaille beaucoup sur l'argent. Et c'est par rapport, en fait, à une personne, évidemment, qui va avoir ou qui a signé une signature, c'est par rapport à un verdict. Et qui va transformer la vie d'un homme, en tout cas. Et donc, en tout cas, c'est vous avez, grâce à cela, en tout cas, purgé un karma très négatif. Voilà. Et ça concerne aussi, je vous dis, des révélations. Voilà, quelqu'un qui a joué la balance autour de vous. Ensuite, sur une nuit à New York, on est sur l'alchimiste. Donc très clairement, on est bien sur une nouvelle étape, on va dire professionnelle, de créativité. Là en fait, peut-être qu'avec cette carte, vous êtes en train de chercher en fait des partenaires. Parce que voilà, peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas faire les choses tout seul. Ça concerne en tout cas de l'étranger. Et c'est après une période de stagnation ou des décisions reportées. Là, là en fait, vous êtes dans l'action, vous êtes dans le voyage. Alors, il y a peut-être des choses artistiques, ça concerne peut-être des artistes. En tout cas, vous allez à l'aventure et pour d'autres, évidemment, vous allez voir les choses. Donc, il y a peut-être des gens qui se déplacent, qui vont voir peut-être un bâtiment, peut-être voilà ce qui se passe ailleurs. Et en tout cas, vous êtes, voilà, parce que c'est l'as de bâton, donc en fait, vous avez l'espoir aussi par rapport à une passion. Donc c'est un projet qui vous passionne les amis et vous êtes en pleine transformation une nuit à New York ou dans une ville étrangère. Là nous avons avec Highlander, on a le fou. Le fou sur un valet de bâton, sur un valet de denier, pardon. Donc effectivement, ça augure un nouveau projet de vie évidemment, et un nouveau projet professionnel, quelque chose qui vous tient à cœur. Pourquoi ? Eh bien parce que vous avez eu le troisième œil, hein, vous avez eu une révélation très importante dans votre vie, peut-être suite à un verdict en tout cas. Vous êtes dans la transformation et vous allez devenir un Highlander. Voilà. Et pourquoi aussi il y avait pas mal de choses qui bloquaient et tout ça, les résultats étaient entravés dans votre vie, où vous faisiez des choix spéculatifs, parce que vous étiez dans l'ego, en fait, vous aviez trop d'orgueil et trop de fierté. Et évidemment, il y a eu des occasions qui ont, on va dire, que vous avez manqué tout simplement parce que vous ne les voyez pas. Et là, en fait, vous avez une envie de progrès, vous avez une envie d'expansion. On est sur un 3 de bâton. Et donc en fait, ça concerne. Voilà, ça concerne de la créativité. Et donc, vous allez obtenir des succès inespérés. Voilà, et donc, en tout cas, vous allez célébrer une réussite. Et pour d'autres, vous allez aussi, comme le fou, vous allez aussi aider les autres, puisque, voilà, à travers le monde, hein, on va dire. Puisque, en fait, et on va dire, il se dégage une certaine pureté. Voilà, c'est vraiment, vous y allez avec, j'en ai marre, putain, de ce voisin.
c'est insupportable. Et il se dégage en tout cas du fou une certaine pureté. Bon bah écoutez, pour la personne qui m'a fait des remarques en me disant que le bruit d'ici correspondait peut-être à de la dualité mentale, je confirme complètement. Parce que on va dire que je suis entourée de gens très spéciaux. Voilà. Voilà, c'est y a beaucoup de gens qui sont dans le mental, donc évidemment, alors les pilons, le voisin, plus que les autres, hein, je peux vous dire. Voilà, bon, après, c'est comme ça. Hein. Alors, on continue. Hein. Je suis vraiment désolée. J'espère que vous entendez. Mais je crois que je vais finir dans ma chambre. Hein, parce que là, c'est pas possible. Hein. Alors, donc là nous avons la nuit. Donc effectivement, c'est bien une nuit à New York où les lumières de la ville, ça se passe bien la nuit. Voilà, donc c'est les astres, carte numéro 6. Donc voilà, donc là il y a peut-être des gens qui ont des qui réfléchissent, qui sont dans la dualité du mental aussi. Donc là, là évidemment sur la balance, on a le bon étranger. Donc en tout cas, ça concerne un valet de bâton. Donc en fait, c'est une, on va dire, vous avez une nouvelle de l'étranger qui vous arrive. Et donc là, en tout cas, vous allez être intransigeant, vous allez bloquer en fait une situation. Je vous dis, ça concerne de la justice. Alors, il y a peut-être un bon étranger ou une personne de l'étranger ou on va dire une lettre de l'étranger qui va en fait peut-être donner des informations. Ça peut être quelqu'un de jeune aussi, de l'étranger, une balance, quelqu'un qui donne des informations sur vous, les masculins. Où il y a, on va dire, un retour de flamme par rapport à quelqu'un qui vit à l'étranger. Bon, là, c'est un petit peu embrouillé. Donc, une nuit à New York, eh bien, on est avec un alchimiste. Donc, il y a une lettre. Il y a une lettre qui est écrite avec un 2 de denier. Donc là, en fait, il y a une lettre de l'étranger. Il y a quelque chose, hein, voilà, carte numéro 76, on est sur 13, et donc en tout cas c'est pour clôturer une situation, puisque 13 c'est même, et c'est la mort. Bon, je vais me déplacer parce que là ça va pas du tout, je suis désolée. Donc nous voilà dans une nouvelle configuration parce que il y avait de plus en plus de bruit et donc voilà, donc j'ai dû partir. C'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Bon, alors je continue. Donc en fait, sur la carte de la nuit à New York, en fait, on avait la lettre. Donc là, en fait, c'est une personne qui est en train de se transformer par rapport en fait à un 2 de denier. Le 2 de denier, évidemment, on est en train de faire des projections, on est en train de réfléchir par rapport à une lettre. Alors, puisqu'on avait le bon étranger à côté, c'est peut-être aussi un courrier qui vient de l'étranger. C'est un courrier, en tout cas, qui met dans l'embarras, puisque, évidemment, ça concerne peut-être un courrier suite à des révélations qui ont été faites par une balance, donc par une personne de votre entourage, les masculins. Et donc, après, nous avons sur la carte Highlander, qui correspond aux 3 de bâton, nous avons le présent. Et nous avons surtout, donc le présent, évidemment, ça concerne aussi un cadeau. Ça concerne aussi un cadeau qu'on peut se faire. Ça concerne aussi, on va dire, un événement imprévu qui est un présent du divin. C'est par rapport en tout cas à un homme qui veut avancer. Il y a une énergie de progrès, mais en dos en fait on avait le chariot inversé, donc on est encore dans des spéculations, je vais dire intellectuelles, mentales.
Et donc, en tout cas, cette personne, en tout cas, parce que c'est la 72e carte, et 72, c'est les 72 anges de la Kabbale. Donc, en fait, on arrive bien à la fin d'un cycle avec un 6 de denier. Donc, c'est par rapport à quelqu'un qui souhaite faire un cadeau, qui souhaite en tout cas être plus, on va dire, dans le don des autres. Et en tout cas, je vous dis, c'est suite à une prise de conscience, puisqu'on a la maison Dieu, les lumières de la ville, voyez. Donc en fait, il y a quelqu'un qui, la nuit, va avoir une illumination, et ça va être un accomplissement, ça, matériel notamment. Voilà, il y a un homme en tout cas qui va beaucoup aller dans la sagesse. Voilà, qui va aller dans les plaisirs, qui va se faire plaisir en tout cas, et qui va peut-être pour d'autres se faire plaisir avec une personne d'origine étrangère ou une personne, en fait, vous allez vivre en tout cas une passion visiblement à l'étranger. Voilà. Et ça, c'est après une période de stagnation. Alors, je continue avec mon tarot. Donc, la personne qui m'a laissé un message pour me dire qu'effectivement, voilà, il y avait beaucoup de mental et c'est pour ça que ça faisait un bruit de casserole, bah, vous voyez, c'est exactement ça, on en a eu plein les oreilles. Je suis absolument désolée, mais bon, voilà, on n'aura plus la vue parce que c'est tous les jours, tous les matins. Et donc après, puis bon, après, il y a trop de monde, il y a trop de bruit et je ne peux pas faire mes plaisances. Ça s'est renversé, donc pareil, on va les prendre. Voilà. Donc là, on a toujours le chariot inversé. Donc je vous montre la carte. De l'autre côté, vous voyez beaucoup mieux mes cartes. Voilà. Donc en fait, on est sur un 8 de bâton. Donc ça fait 2 8 de bâton. Donc en fait, bon, la carte était inversée, ça veut dire qu'en fait, on a eu, il y a un enlisement, vous voyez, il y a deux chariots, hein, et c'est inversé, hein, donc voilà. Donc là, on va dire que dans la matière, ça n'avance pas beaucoup, il y a des gens qui sont en train de prendre des décisions, et en tout cas, cette décision va être intransigeante. Vous n'avanciez pas, vous êtes sur un 8 de bâton, vous êtes en train de vraiment, là, il y a un blocage, si vous voulez, au niveau aussi des informations. Il y a un blocage parce que évidemment il y a un déséquilibre, il y a un karma négatif. Et donc on va dire que la communication entre on va dire les masculins et les féminines sont bloquées parce qu'il y a des signatures légales, c'est hyper important. Et donc en tout cas il y a un verdict en tout cas qui a été rendu ou qui va être rendu suite à des révélations sur des masculins. Et donc en tout cas voilà. Après, il y a un retour de flamme aussi, mais il y a une intransigeance. Voilà. Alors, je continue. Je vais mettre ça là. Alors, sur la balance, on a le 7 de denier, mais il est inversé. Donc, en fait, c'est une situation, évidemment, dans un pacte ou un mariage qui n'a pas donné. Voilà, je veux dire, inversé, ça veut dire que, en fait, ça n'a pas. Voilà, on va dire, les graines n'ont pas poussé, ça n'a pas donné d'abondance, c'était extrêmement aride. Voilà, et ça concerne des enfants aussi. Donc en fait, il y a quelqu'un qui a énormément travaillé, on va dire, par rapport à une union, et ça s'est soldé par un échec. Et donc en tout cas, il y a en tout cas une information ou quelque chose par rapport à de l'étranger, une lettre de l'étranger, un valet de bâton, et ça concerne en fait un retour de flamme. Parce que en fait, il y a des masculins qui n'ont pas, il n'y a pas eu de satisfaction, on va dire, dans leurs unions précédentes ou de leurs unions actuelles. Et donc là, on est sur un 7 de denier. Je vous dis, voilà, il y a des gens qui ont envie, si vous voulez, on va dire, de commencer en fait un nouveau projet de vie, hein. C'est pas que du financier, hein, le denier. C'est des gens en tout cas qui vont se faire plaisir parce que ils ont besoin de récupérer leur santé aussi.
Là, on est sur un 3DP inversé avec la nuit à New York. Donc, un 3DP inversé, c'est des déceptions sentimentales, mais pas seulement, c'est aussi des gens en fait qui vous ont trahi dans des partenariats, quels qu'ils soient. Donc voilà. Et donc là, vous êtes en train de sortir de ces partenariats parce que vous avez un éclaircissement avec les lumières de la ville. Et on est sur un as de bâton. Donc ça concerne toujours de la passion, ça concerne toujours un projet hyper créatif. Et donc c'est une personne qui prend des connaissances aussi, voilà, pour élargir, on va dire, son champ d'action, parce qu'avant, en fait, cette personne était dans la stagnation et dans les ralentissements. Voilà, c'est quelqu'un qui reportait sans arrêt les décisions. Donc en fait, c'est une personne qui va sortir de la stagnation et qui va envoyer un message. Un message, en tout cas, un message, c'est un 2 de denier. Donc en fait, c'est une lettre qui va soit arriver au masculin, soit qui va être envoyée par des masculins. Aussi parce que il y a des hommes en fait qui peut-être par rapport à des féminines ont été dans l'embarras ou peut-être par rapport à des révélations lors d'un procès ou d'un verdict en fait ont été dans l'embarras. Et donc en tout cas là vous allez lâcher en tout cas ces partenariats. Vous allez lâcher aussi cette dualité du mental. Puisque en fait le 2 de denier est aussi, on est aussi dans les dualités du mental, parce qu'avec l'alchimiste, on est sur un nouveau départ, et avec l'as de bâton aussi. Et donc c'est une nouvelle étape de votre vie qui se dessine, les masculins. Donc en fait, ça concerne un voyage artistique, de l'aventure, de l'espoir, évidemment du feu, vous voulez voir les choses, et c'est pour ça qu'on avait aussi en dos tout à l'heure le monde. Voilà. Et c'est suite peut-être à un message aussi. Peut-être là, il y a des masculins qui reçoivent des lettres ou des messages d'une féminine ou d'un voilà, ou d'un féminin, on va dire. Alors, sur Highlander, nous avons le 8 de denier. Donc, on l'a une deuxième fois. C'est un 8 de denier, mais qui travaille sur des obsessions. Des obsessions sexuelles, hein, je veux dire, les choses sont assez claires. Donc là, vous êtes en train de mettre les petits plats dans les grands, les masculins justement pour aller vers en fait une purification de vos addictions. Alors cette carte, bon, c'est les obsessions sexuelles, mais c'est aussi le diable, c'est aussi, je veux dire, c'est aussi la nature sauvage d'un homme, c'est aussi évidemment la passion. Donc en fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en fait, il y a des énergies de progrès, des énergies évidemment qui viennent du chakra de la racine et du chakra sacré. Il y a peut-être des hommes, je vous dis, qui étaient trop dans la sévérité, qui étaient trop dans leur éducation, très corsetée, on va dire aussi. Et donc en tout cas, pour d'autres, en fait, ce qui apparaissait comme étant bon était en fait une erreur. Et donc là, en fait, vous faites le choix aussi de la libération par rapport à des dépendances sexuelles et des dépendances affectives. Et vous êtes aussi, on va dire, il y a aussi beaucoup de contraintes en fait matérielles. Donc vous étiez peut-être aussi dans de la survie par rapport peut-être à une union matérielle ou par rapport en fait à des dépendances par rapport à une union. Et donc, en tout cas, vous allez prendre une décision personnelle. Et donc, en tout cas, vous allez laisser couler le flux naturel des choses. Et donc, en fait, ce choix, en fait, vous faites le choix de ce qui vous plaît. Vous faites le choix de la liberté. Et vous êtes aussi dans peut-être dans le détachement par rapport à ces dépendances affectives. Et aussi, on va dire que vous contrôlez plus. Parce que sinon, on n'aurait pas le mât, voyez. Voilà, vous n'êtes plus dans le contrôle, en tout cas. Voilà, et c'est pour ça, finalement, que vous n'avez que petit à petit, en tout cas, vous allez vous guérir de vos dépendances sexuelles pour certains. Voilà. Et donc, pourquoi? Parce que vous allez avoir une relation à la nature. Une relation aussi à votre nature, hein, sauvage. Voilà, vous allez, on va dire, équilibrer ou voilà les côtés, les deux côtés, c'est-à-dire que vous allez arrêter de vous juger, hein, surtout.
Voilà, parce qu'en fait, il y a une histoire quantique, une histoire de nature, il y a une histoire de voie de la magie aussi. Et donc, vous allez plonger, en tout cas, dans la vie, vous allez plonger dans quelque chose de neuf, vous allez plonger peut-être dans des voyages, dans de l'aventure, parce que vous allez appréhender la vie sans peur. Voilà. Voilà. Et donc, en tout cas, il y a le côté sombre, en tout cas, de vous-même, qui va être révélé, si vous voulez. Et en tout cas, là, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail parce que le 8 de denier, je veux dire, on bosse, hein, les amis. Hein. Donc, vous avez bossé sur, en fait, peut-être un mariage ou un pacs pour vous en détacher, hein, puisque là, il y a clairement le soleil à l'envers, voilà. Et donc là, en fait, on a aussi le 8 de denier. Donc en fait, là, il y a des masculins qui veulent sortir, en tout cas, de leur cercle vicieux, de leur cercle de ce qu'ils ont engendré, en tout cas, dans leur vie. Alors, on continue, parce que sinon, ça va durer 3 heures, mes histoires, là. Alors là, nous sommes sur Adam connu Ève, chakra sacré. Donc, on est sur des âmes sœurs et des flammes jumelles. On est sur la lettre hébraïque Shin, qui est la lettre de la transmutation et de l'union. Et en même temps, on est sur le fou. On est sur des signes de terre. On est sur la couronne. Donc, en tout cas, il y a une personne qui va avoir des éclaircissements par rapport à une âme sœur ou une flamme jumelle. Voilà, ma carte, c'est quand Adam connut sa femme Ève. Alors, sur la balance, on a toilette pour dame. Donc, clairement, vous étiez en fait dans une impasse. On est sur un tunnel. Hein, voilà, vous allez trouver la lumière dans le tunnel. Vous allez trouver en tout cas un appui, les masculins, pour avancer. Vous étiez dans une impasse, vous étiez critiqué, vous étiez en pleine dépression. Et en tout cas, c'est des gens autour de vous qui sont dans la jalousie et dans la vengeance. Toilette pour dame. L'autre, sur la nuit à New York, on a le frère noir. On a le frère noir, donc en fait, très clairement, par rapport à un partenariat, visiblement, il y a trois personnes, hein. Il n'y a pas qu'un frère, je pense qu'il y a une autre personne, ou ça peut être, mais bon, là c'est un frère. Ça peut être un meilleur ami, ça peut être votre partenaire de travail, ça peut être votre partenaire de vie aussi. Et donc là, en tout cas, vous allez faire une croix là-dessus parce que vous allez envoyer une lettre, ou peut-être que l'on va envoyer une lettre et vous allez être dans le... On va dire que vous étiez dans l'embarras peut-être par rapport à des révélations, et là vous allez envoyer une lettre, et là je peux vous dire qu'il n'y aura pas de pardon. Ouais. Voilà, c'est assez clair, ça concerne encore les signes de terre comme les Capricornes. Et ça concerne aussi quelqu'un qui veut avancer, puisqu'on est dans la roue du karma. Ça concerne aussi une rétribution, donc on va dire on va solder ses dettes karmiques. Et ça concerne aussi par rapport à un frère noir, il y a peut-être quelqu'un qui a travaillé plus que quelqu'un d'autre, vous voyez. En fait, il y a des gens qui sont fait un peu avoir, peut-être dans un partenariat, ils ont beaucoup travaillé. Ça concerne des décisions qui étaient sans arrêt reportées, par rapport peut-être à des choses de l'étranger aussi. Et là, en tout cas, on va dire que par rapport à un frère noir, il y a des masculins, en tout cas, qui vont vers une nouvelle étape. Voilà. Ensuite, ben je vois beaucoup mieux mes cartes en fait ici. Là, on est sur le bien-aimé, unité, intégrité, mais elle était à l'envers. Donc en fait, on a des masculins en tout cas qui sont pas très sûrs d'eux, on va dire. Il y a un élément nouveau de la pensée. Donc évidemment, la carte est à l'envers, donc ça va arriver. Un élément nouveau de la pensée. Donc on est bien sûr. Voilà, on va dire un résultat inespéré, une révélation. Voilà, ce sont les bienfaits de l'inconscient révélé, hein, très clairement. Carte numéro 19, ça concerne une union, ça concerne une alliance, ça concerne aussi l'équivalent, c'est le pape. Donc, on va dire que quelqu'un, en fait, a un éclaircissement par rapport à une passion. C'est un 3 de bâton, ça peut être aussi un projet
je vous dis. Et comme c'est Highlander, c'est soit en Écosse, c'est voilà, les Écossais, Highlander, voilà. Et ça concerne aussi l'unité intégrité. Donc voilà, il y a peut-être des gens, je vous dis. Unité intégrité, moi, ça me fait penser à des blasons. Hein. Bon, après, voilà. Et donc, en tout cas, ce sont des personnes qui vont récupérer peut-être, en tout cas, leur valeur par rapport à leur arbre généalogique, hein, puisque Highlander, ça veut dire ça, c'est quelqu'un qui ne meurt jamais et qui passe de vie en vie. Donc, en fait, là, vous êtes en train de remonter toute votre lignée pour certains masculins. Et donc, grâce à cela, en tout cas, vous allez trouver, en tout cas, l'unité en vous-même et l'intégrité. Ça va être une alliance probablement. Peut-être par rapport à quelqu'un, mais moi ce que je sens c'est plutôt par rapport à des valeurs ancestrales, des valeurs peut-être de guerre. Highlander, hein, vous voyez, c'était quand même un guerrier. Et donc voilà, vous allez voir la vie d'une autre manière, plutôt sur quatre plans que sur un seul. En tout cas, on va dire pour certains, le loup de New York, eh bien, n'est plus. Alors ensuite, hein, on continue. Donc là, il y a des valeurs ancestrales, il y a un savoir ancestral, voilà. Il y a peut-être dans votre famille un frère noir, oulala, je vais les mettre. Il y a peut-être dans votre famille un frère noir qui a joué les balances. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en l'occurrence, ça a le mérite d'exister. Voilà, ça a le mérite d'être dit. Donc là, mes yeux regardent avec mon cœur. Voilà, je vous montre la carte. Donc, il y a des personnes, en tout cas, qui vont voir, évidemment, la vie avec les yeux du cœur. Ça va les changer. Donc, en fait, sur la balance, évidemment, bah, ça a été, voilà, vous êtes seul. Ça a été horrible. C'est, je suis seul. Vous voyez? Donc, là, clairement, sur la balance, sur ce qui vous est arrivé. Eh bien, vous étiez seul, vous étiez dans l'enfermement maximum. Et je vous dis, c'est par rapport à quelqu'un qui a balancé une information. Voilà, quelqu'un, voilà. Et peut-être quand vous étiez à l'étranger. Parce que là, j'ai le valet de bâton. Ou peut-être que ça vient de l'étranger. En tout cas, ça vous a mis dans une impasse, vous étiez dans un tunnel. Et ça concerne de la jalousie et de la vengeance. Et c'est un bon étranger, donc ça peut être un homme ou une femme. J'investis du temps pour te faire comprendre. Voilà. Donc là, c'est Le Mans 66. Non, je rigole, mais enfin bon, c'est un peu ça quand même. Donc il y a quelqu'un qui est, eh bien, qui est dans la dualité du mental. Et on va dire que l'heure tourne, vous voyez, c'est à la fois un sablier et en même temps, vous êtes entre deux voitures. Et vous êtes bloqué dans une situation parce qu'il y a des gens qui sont jaloux ou des gens qui sont en colère, ou peut-être que vous avez un mental très colérique. Et là, en fait, vous êtes bloqué. Alors, ça fait penser aussi à un téléphone. Vous êtes bloqué peut-être aussi par rapport à une lettre ou par rapport à un courrier. Voilà, en tout cas, des choses que vous entendez. Voilà, vous êtes en train de vous. Vous êtes en train de vous bloquer dans une situation par rapport en tout cas à un partenariat. Et ça concerne de l'argent. Voilà. Et donc là, on va dire, vous faites feu de tout bois, hein. Vous êtes en train de vous défendre. Et c'est par rapport à, peut-être par rapport à un frère noir ou un membre de votre famille. Concernant en tout cas concernant un partenariat, quelque chose d'assez important qui se passe à l'étranger en tout cas. Et donc ça, en tout cas, vous allez partir de cette situation. Voilà, et c'est une nouvelle étape de votre vie. Et donc là, c'est quelqu'un qui va se mettre au vert, c'est quelqu'un qui va se mettre au repos parce que il a besoin d'investir du temps pour faire enfin, faire confiance à son mental en fait, c'est-à-dire pour
pour te faire comprendre, c'est évidemment la dualité du mental. C'est-à-dire que c'est pour unifier en fait les deux côtés en fait d'une même personne. Voilà, et c'est aussi pour faire de meilleurs choix. Et on avait le 2 de denier là-dessus, vous voyez, que on peut retrouver aussi sur cette carte. Voilà. Donc là, il y a quelqu'un qui prend du temps en fait pour réfléchir. Alors là, j'ai pourquoi je porte le nom de maman. Donc il y a des personnes qui ont des problèmes avec des identités. L'identité, évidemment, des arbres généalogiques de la mère notamment. Donc voilà, donc il y a quelqu'un qui se demande pourquoi il porte le nom de maman. Bah, peut-être parce que votre père n'est pas votre père, hein, c'est assez simple. Donc voilà, donc on va dire il y a eu des chaises musicales. Et là, en fait, il y a une grosse prise de conscience. Par rapport en fait à une lignée ou par rapport en fait à des membres de votre famille. Highlander, c'est ça, hein, je veux dire, c'est quelqu'un qui se transmute dans plusieurs vies et c'est toujours la même personne. Donc en fait, il y a peut-être aussi des questions, je vous dis, d'identité. Et alors, c'est du côté du père ou du côté de la mère, mais en tout cas, c'est un des deux côtés. Et sur l'autre carte, la nouvelle femme de papa dit qu'elle est ma maman. Voilà. Donc, je vous dis, en fait, finalement, il y a des gens qui ne savent pas que leur père, c'est leur beau-père, par exemple. Ou leur mère, c'est leur belle-mère. Et donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en fait, au niveau de la naissance, vous voyez, regardez cette carte, elle est assez particulière, vous voyez. En fait, en fait, y a eu peut-être des problèmes de santé, ou il y a peut-être eu des choses qui ont été... qu'on a voulu faire, voyez, pour pas que vous soyez là, peut-être, j'en sais rien, mais c'est ce que je ressens. Et donc, parce que là, en fait, c'est la mère crocodile, hein, voyez, donc c'est la mère qui broie les choses, voilà, qui efface les choses, voyez. Donc voilà, donc peut-être il y avait des jumeaux et puis il y en a un des deux voilà, qui est pas là. Enfin, il y a des choses comme ça en tout cas. Il y a des choses par rapport à la naissance en fait qui ne sont pas élucidées. Et là, en tout cas, vous allez avoir les lumières de la ville. C'est des choses assez importantes parce que c'est des choses visiblement qui vous engramment depuis très longtemps pour certains masculins. Et donc, il y a des choses aussi par rapport, je vous dis, à votre identité. Et c'est pour ça en fait que vous êtes dans vos obsessions et dans vos dépendances aussi affectives et sexuelles. Parce qu'il y a un message, ou en tout cas, il y a quelque chose par rapport en tout cas à votre naissance, la façon dont vous êtes arrivé en fait dans votre famille. Et donc, en tout cas, ça vous empêche de vous aimer, ça vous empêche d'être dans votre unité, ça vous empêche d'être dans votre intégrité. Et donc, en tout cas, vous allez en tout cas partir de cette situation. Vous allez partir de... peut-être de vos illusions aussi. Et donc, on arrive avec les lumières de la ville sur un 9 de denier. Par conséquent, ça va être extrêmement positif et extrêmement productif. Pourquoi? Parce que visiblement, c'est à cause de cela, en fait, que vous bloquez, en fait, toutes vos potentialités et aussi toute votre abondance. Et vous avez, en tout cas, avec le valet de denier, en fait, vous allez avoir peut-être l'idée, peut-être une lettre, peut-être quelque chose qui va vous arriver. C'est un début en fait de projet, c'est un début d'entrepreneuriat et en tout cas les résultats seront inespérés. Y a de la créativité, il y a de la communication, voilà. Et donc en tout cas c'est quelque chose, c'est un nouveau projet que vous allez célébrer. C'est très important. Alors ensuite je vais prendre mon autre tarot. Je suis désolée si ça dure un peu longtemps mais... Il a fallu que je me remette un petit peu dedans. Pas évident. Oh mon Dieu, ça tombe.
Alors, donc là, nous avons l'as de denier. Donc, voilà, le début par rapport à un projet financier. Donc, on a un as de... on a un as de carreau, donc on a un as de bâton. Donc en fait, c'est la passion. Donc en fait, il y a un nouveau projet, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de passionnant en tout cas, que vous êtes en train de mettre en place. Voilà, je vais mettre ici l'as de denier. Je vais le mettre là. Voilà. Alors, hop. Donc là, on est sur un 4 d'épée. Ben oui, évidemment, par rapport à un divorce ou par rapport à des gens qui partent. Par rapport, en tout cas, voilà, pas de pardon. Karma négatif. Vous partez, en tout cas, d'une union. Vous vous sentez seul. Vous êtes dans un tunnel, évidemment. C'est une impasse pour vous. Et vous êtes sous le joug des critiques. Et je vous dis, il y a des gens autour de vous, il y a une personne autour de vous qui vous balance, hein, puisque c'est une balance. Et donc, en tout cas, c'est par rapport, en tout cas, à une histoire de justice. Voilà, il y a des gens qui vont pas être d'accord par rapport à une signature légale. Vous avez acté quelque chose, un verdict en tout cas est tombé et ça va être le début d'une transformation, c'est totalement karmique et on va dire que voilà, il y a des gens qui vont pas être du tout d'accord avec ce que vous voulez et ça concerne en tout cas soit un projet à l'étranger, soit un bon étranger, soit une personne qui vit à l'étranger ou une personne qui est éloignée de vous. Donc voilà, vous êtes sur un 4 d'épée et donc là, vous êtes au repos après avoir, on va dire, combattu et guerroyé. Ensuite, là, on est sur la nuit à New York. Bon, bah, il y a des gens qui sont partis, hein, voilà, 6 d'épée. Vous êtes parti d'une relation sentimentale, d'une relation amoureuse. Voilà, vous êtes parti en catimini à New York, probablement, et parce que vous avez envie d'investir du temps pour vous, pour réfléchir par rapport à un partenariat, par rapport en tout cas à un courrier, par rapport à une lettre. Vous êtes, par rapport à cette lettre, on sent beaucoup d'embarras, vous savez pas trop comment communiquer, on est sur un as de bâton, par conséquent, on est sur de la passion. On est sur un retour de flamme, en tout cas par rapport à quelqu'un. Et ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est... voilà, vous êtes en train de partir d'une situation par rapport à de la passion, par rapport à quelque chose, à un amour, à une lettre que vous envoyez à quelqu'un. Une lettre, en fait, qui vous permet peut-être de faire un choix par rapport à une personne. Et il y a aussi une histoire de partenariat, je vous dis, avec un frère noir ou peut-être quelqu'un qui vous a mal conseillé, peut-être quelqu'un qui vous a balancé, tout simplement, quelqu'un qui a ragoté dans votre dos. Ça peut être évidemment une personne karmique aussi. Voilà. En tout cas, vous allez voir les choses. Voilà, une nuit à New York, il y a les lumières de la vie, il y a tout qui s'éclaire dans votre cerveau. Voilà, une nuit à l'étranger, on va dire. Là, on est sur un 2 de coupe à l'envers. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, bah, ça va... En fait, il y a eu, en fait, soit une blessure affective par rapport à une connexion importante, soit, bon, bah, c'est vous avez coupé avec une âme sœur ou une flamme jumelle, hein, 2 de coupe à l'envers, c'est ça. Et c'est parce que, en fait... vous avez des dépendances affectives, hein, vous avez des dépendances sexuelles, hein, et donc en tout cas, peut-être que en fait vous avez fait un choix spéculatif, vous avez préféré peut-être aller dans vos addictions, et évidemment par rapport à un 2 de coupe, évidemment ça s'appelle une occasion manquée, les amis. Donc là on est sur un 3 de bâton. Donc, en fait, là, on est en train de reprendre les choses un peu dans l'ordre, vous voyez, parce qu'il y avait beaucoup de désordre chez certains masculins. Et donc, en tout cas, vous êtes en train
de vous sortir petit à petit de vos dépendances et vous vous rendez compte que finalement vos dépendances sont issues de problématiques, en tout cas avec des problématiques d'identité autour de votre mère, vraisemblablement, des choses qui se sont passées dans votre enfance. Et donc, en fait, vous vous posez des questions par rapport à votre nom, notamment pourquoi je porte le nom de maman. Voilà. Donc, il y a des gens qui portent le nom de leur mère et pas le nom de leur père, évidemment, puisque leur père est peut-être un beau-père et non pas leur père véritable. Et donc là, en tout cas, par rapport à ça, vous êtes en train de cheminer, évidemment, comme Highlander, à travers votre arbre généalogique. Et donc, en tout cas, ça va vous faire arriver vers, on va dire, une certaine pureté de vous-même, en tout cas, puisqu'on a la carte du bien-aimé. Le bien-aimé, évidemment, c'est le Christ. Donc, en fait, vous avez un parcours de croix, là, évidemment. Et je vous dis aussi, par rapport en tout cas à votre mère, la nouvelle femme de papa dit qu'elle est ma maman. Ça veut dire que peut-être soit votre père, soit votre mère s'est remarié. Et donc en tout cas, peut-être qu'on vous a fait croire que votre père était votre père. Enfin, que votre beau-père était votre père, par exemple, ou que votre belle-mère était votre mère. Mais visiblement, il s'est passé quelque chose à la naissance où en fait, on a bien fait la distinction, où il y a quelque chose qui s'est peut-être écrasé. Il y a quelque chose, en tout cas, bon, il y a peut-être des jumeaux et puis il en reste un, vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Et donc, en tout cas, ça va être une véritable révélation, une révélation sur laquelle vous allez travailler, évidemment. Il y a des gens qui travaillent sur leur arbre généalogique, en tout cas pour sortir d'une situation, parce qu'ils ont, avec la maison Dieu, on a l'ouverture du troisième œil, évidemment. C'est l'ouverture, évidemment, de la prise de conscience. On est à la fois dans le chakra numéro 7 et dans le chakra numéro 8. On est dans Yézed aussi, donc c'est pour aller vers le pardon, hein, je vous ai dit. Pour aller vers le pardon, il faut passer par l'obscurité, il faut passer par Geburat, il faut passer par... voilà, et donc sans l'obscurité, en fait, on ne peut pas aller vers la lumière, donc on ne peut pas aller vers le pardon de soi-même et aussi la transformation. Donc en fait, c'est comme quand on dit en psy, voilà, il faut passer à la fois par l'inconscient et le conscient. Voilà, donc en fait, il faut accoucher finalement de la connaissance de soi-même. Vous voyez, la maïeutique de Platon, c'était pas que pour accoucher d'une connaissance lambda, c'était évidemment pour faire de la transmutation, hein, de l'obscurité en lumière, évidemment, puisque les cellules, en fait, elles se nourrissent de lumière. Bon, j'arrête. Enfin bon, voilà, donc en fait, le dos de coupe, on est sur, en fait, une personne qui, à la suite de ses prises de conscience, eh bien, vous allez avancer, vous allez être dans l'énergie du progrès. Voilà. Ensuite, karma ok. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien karma ok. Ok, ok, karma ok. Oh, mon Dieu, il y en a partout. Bon, il y en a deux qui sont tombés, je les mets là. Attendez, je regarde parce que... Non, ça va. Ah bah, il y en a encore deux qui arrivent. Moi, j'en mets deux et deux. Ouais. Ouais. Alors, donc là, nous avons « Quand je serai KO, I'll be down, descendu des plateaux de Folon, poussé en bas par des plus grands, des plus forts que moi. » Et est-ce que tu m'aimerais encore dans cette petite mort? Est-ce que tu laisseras encore ta main posée comme ça? Donc ça concerne en fait des masculins évidemment qui se sentent seuls parce que évidemment on leur a foutu un gros coup dans la figure. Et donc là on a toujours Birkin, hein, Daddy Douda, donc ça concerne évidemment des féminines qui sont un peu des Jane Birkin. J'ai je ne sais quoi d'un garçon manqué, j'ai jamais joué à la poupée, difficile de m'imaginer que ça va m'arriver. Évidemment, ce qui va vous arriver, c'est un retour de flamme pour les masculins, donc en fait un retour de votre masculin. Moi, je reste aussi plate qu'un garçon, que c'est con. Voilà, et donc évidemment, ce sont des femmes qui sont plutôt naturelles, qui ne se refont pas faire la poitrine. Alors là, on a toujours Birkin, fuir le bonheur... Birkin, bon bref, le bonheur de peur qu'il ne se sauve, croire aux cieux, croire aux dieux, quand tout nous semble odieux, que notre cœur est mis à sang et à feu. Donc il y a quelqu'un, si vous voulez, qui part d'une situation, on a le 6 d'épée, parce que son cœur est mis à sang et à feu. Voilà, c'est un retour de flamme, c'est un retour de Kundalini.
Ou et avec qui tu m'aimes. Donc, il y a une personne qui est jalouse, mais personne ne sait le temps qu'il faudra. Bah oui, parce que bon, voilà, il y a quelqu'un qui met du temps quand même, hein. J'investis du temps pour te faire comprendre. Bah oui, c'est quelqu'un qui met du temps peut-être à écrire une lettre. Et je me demande où et avec qui tu m'aimes. Donc, c'est un masculin qui a très peur que vous partiez, les féminines, que vous soyez avec d'autres, voilà, dans d'autres unions. On pourrait se méprendre si j'accepte, dis-moi. Donc, il y a aussi quelqu'un qui a peur, des masculins qui ont peur de faire des erreurs, en tout cas par rapport à des féminines. Voilà. Voilà, il y a des gens en fait qui sont qui ont fui, on va dire, qui ont fui dans un pays étranger. Alors, ensuite, Bohemian Rhapsody, Total My Time Has Come, Gotta Leave You, All Behind and Face the Truth. Donc, il y a des gens qui sont en face de leur vérité intérieure. I don't want to die. Donc, voilà. I'm sometimes wish I've never been born at all. Donc, ça concerne vraiment des histoires de naissance dans les familles, des révélations. C'est quelqu'un qui se dit qu'il n'aurait jamais voulu naître. Et je vous dis, c'est par rapport à des mères. Voilà, des gens qui portent le nom de leur mère plutôt que le nom de leur père, on va dire. Et donc, en tout cas, c'est des gens à qui on a fait croire des choses, on va dire, par rapport à votre arbre généalogique. Et donc, on va dire que, bon, bah, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que peut-être qu'on vous a fait croire que votre père, en fait, est votre père, mais en fait, ce n'est que votre beau-père. Et puis, pour d'autres, on vous a fait croire que votre mère est votre mère, et en fait, c'est juste votre belle-mère. Et donc, là, en fait, eh bien, il y a des gens qui vont tomber de leur chaise par rapport à ça. Alors, et sinon, et s'il n'y a plus personne? Et si le ciel était vide, tant d'angélus, tant d'antidouleurs, tant de compassion et tant de revolvers, et si en plus il n'y a plus personne, Hachem, Allah, Alléluia, Krishna. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment, on va dire, il y a des gens en fait, il se passe, c'est tellement difficile, on va dire karmiquement, qu'en fait c'est comme ça en fait qu'ils vont se tourner vers leur spiritualité, vers leur intériorité, voilà. Et ça va être un véritable accomplissement, voyez. C'est, on sent qu'il y a beaucoup de douleur, voyez. C'est assez lourd quand même, hein. Alors ensuite, hein, bon, cette vidéo va durer assez longtemps. Donc là, on est sur un as de bâton et sur un as de pentacle, hein. Donc on est vraiment sur un nouveau départ, sur une grosse prise de décision. Donc il y a des gens qui peuvent être dans l'embarras ou en tout cas qui vont être dans une certaine forme de secret, voyez, parce que là, le chariot, il n'avance pas et on a deux fois, hein. Et il y a des gens aussi qui vont perdre peut-être leur intégrité, leur image de marque. Il y a des gens qui vont perdre leur confiance en eux, en fait. Parce que peut-être des gens qui sont regardés ou voilà, ou qu'on regarde. Et là, j'ai quand même le 6 de bâton, en fait, à l'envers. Et donc, c'est des gens en fait qu'on va traîner dans la boue. Donc là, bon, écoutez, c'est toujours l'histoire de la maison, hein. Donc soit vous partez d'une union, soit vous partez d'une maison, soit vous partez d'un appartement, soit vous perdez une maison ou un appartement ou un bien immobilier. Voilà. Ensuite. Donc là, on sort de sa prison. La carte est à l'envers. On sort de sa prison, mes amis. C'est une bonne chose. S'il y a quelqu'un qui sort d'une impasse. Et c'est par rapport à une révélation, en fait. C'est quelqu'un qui joue les balances. Une nuit à New York, évidemment, c'est par rapport à un retour de flamme, à une passion. C'est par rapport aussi à une jeune fille riche. Alors, riche, ça ne veut pas dire riche d'argent. C'est quelqu'un qui va investir du temps, en tout cas, pour faire comprendre à une féminine. Bah, ce qui se passe tout simplement, pourquoi il a fui le bonheur, voilà, que son cœur est mis à sang et à feu. Et en tout cas, c'est des masculins qui ont peur, en tout cas, qu'une féminine soit partie avec quelqu'un d'autre. Bon, bah, pour certains, vous avez peut-être raison, hein.
Et donc, ça concerne peut-être aussi, il y avait des gens qui étaient bloqués par rapport à un frère noir, par rapport à une relation avec une jeune fille riche. Mais ça peut être une femme plus âgée, mais qui paraît jeune. Là, en fait, nous avons le salon. Donc, clairement, il y a peut-être des gens qui sont allés voir des psys ou des psychothérapeutes. Et dans le salon, en fait, d'un psy, eh bien, ils vont avoir des révélations. Il y a peut-être des gens qui font voilà, vous savez, les sciences holistiques, tous ces genres de choses avec le pendule et tout ça. Et donc, en tout cas, et là, en fait, et donc, c'est peut-être à New York ou c'est peut-être dans une ville à l'étranger, on va dire. Voilà, vous avez en fait une révélation dans un. Alors, il y a plein de choses. C'est peut-être aussi parce que le salon, c'est un rendez-vous aussi. Donc, ça peut être un rendez-vous avec un psychanalyste, ça peut être un rendez-vous avec un psychothérapeute, ça peut être un rendez-vous avec quelqu'un qui fait de la pratique holistique, mais ça peut être aussi un rendez-vous par rapport à une réunion de famille. Parce qu'à Highlander, je vous dis, on est dans la famille, on est dans le transgénérationnel. Carte numéro 21, on est dans Chine, on est dans là-dedans, on est dans le feu. Donc, il y a des gens, en fait, qui sont jaloux, il y a des gens qui sont âpres, qui vont dire des vérités, voyez. Et là, en tout cas, ça va être, il y a peut-être des gens qui vont être dans la folie aussi, suite à des révélations. Et donc, en tout cas, vous allez être dans l'infinie possibilité du chaos, donc il va y avoir beaucoup de chaos. Et ça va donner un potentiel de transmutation et aussi ça va évidemment aller vers, vous allez aller vers une certaine joie de vivre parce que vous allez vous sentir au bord d'un précipice et c'est par rapport à votre famille. Donc en fait là, après en fait peut-être une réunion de famille, vous allez pouvoir retirer en fait vos peurs, vos obsessions, tout ce qui vous empêche d'avancer. Tout ce qui vous empêche d'aller vers vous-même, en tout cas, et en tout cas avec la dent, en tout cas, vous allez écraser tout ce qui vous empêche d'avancer. Voyez, là, on va être dans la destruction pour rendre les choses assimilables. Vous allez être dans l'impulsivité, et c'est cette impulsivité qui va vous donner la liberté. Voilà. Ensuite, bon, c'est bientôt terminé, ne vous inquiétez pas. Là, et donc là, vous allez récupérer tout votre potentiel par rapport à vos ancêtres que vous n'aviez pas. Parce que, voilà. Parce que, en fait, visiblement, les choses, la façon dont les choses se sont passées, en tout cas dans votre famille, pour certains masculins, eh bien, ça s'est mal. Oh là là, les cartes. Ça s'est mal. Voilà, ça s'est mal transmuté, ça s'est mal. Il y a une mauvaise transmission. Et l'as de pentacle, ça correspond à l'abondance aussi. Hein. Ça va être quelque chose de très très productif, très, je veux dire, avec un haut potentiel. Parce que as de bâton, as de pentacle, bon, voilà, il y a deux as là aujourd'hui. Donc ça fait 11. Donc en fait, on est dans la médiumnité, on est sur des gens qui ont beaucoup beaucoup d'intuition. Donc là, on est sur une naissance, 4. La lettre hébraïque, c'est Bess. C'est le chakra numéro 6. Donc en fait, on retrouve la maison de Dieu. Et chakra sacré, évidemment, ça concerne en tout cas des réunions karmiques. Ça concerne des flammes jumelles et des âmes sœurs. On est à la fois sur la prêtresse et sur la papesse, hein, avec Bess. Voilà. Et en même temps, on est sur Dalet, donc on est sur quelque chose de nouveau. On est sur le chakra du cœur. On est sur, en fait, un questionnement pour une concrétisation. On est sur un passage, on est sur une parole créatrice. Voilà, on est sur des positions de commandement, de structure, d'ordre, de loi à respecter. Vous voyez, et peut-être que, on va dire, avec la balance, là, tout à l'heure, eh bien, on va dire qu'il y a une personne qui ne respectait pas, en tout cas, la loi. Et là, il va y avoir un gros rappel à l'ordre. Et il ne va pas y avoir de pardon. Il va y avoir des masculins qui vont être totalement intransigeants, en tout cas. Ensuite, donc là, évidemment, sur la balance, on a l'ascension.
Donc, c'est quelqu'un qui. C'est des masculins, en fait, qui vont vraiment évoluer, qui vont vraiment. C'est ça qui vous plombez, en fait, les masculins. C'est visiblement. Voilà, des gens autour de vous. Vous allez sortir de votre prison mentale, vous allez lâcher l'ego et il va y avoir une grande ascension et vous allez trouver évidemment la clé et la clé c'est la clé de votre intériorité puisque ces cartes numéro 7, on est dans Zaïn, on est aussi dans le chariot donc en fait on est dans l'arme tranchante. Donc vous allez trancher dans une situation qui s'enlisait on va dire par rapport à soit une histoire de justice, soit voilà, et il n'y aura pas de pardon et vous allez être assez intransigeant. Parce que voilà, on était dans les déséquilibres. Alors, donc vous allez remettre l'équilibre. Alors, Uriel à l'envers et le Sphinx, carte numéro 21. Donc là, on va arriver à ça dans la nuit à New York ou dans une autre ville. C'est par rapport, en tout cas, à une jeune fille. Donc là, vous avez Uriel, évidemment, moi, c'est mon ange préféré parce qu'évidemment, c'est l'arme tranchante, l'arme enflammée. Voilà, donc en fait, c'est par rapport, en tout cas, à des partenariats. C'est quelqu'un qui fuit, hein, c'est un masculin qui fuit. Et en tout cas, et ça correspond aussi un peu à la Maison de Dieu, cette carte. Donc voilà, donc là on est en train de prendre conscience, on va dire, d'un très mauvais partenariat, on va dire. Voilà, puisque en fait on a un 3 de denier inversé. D'un très mauvais partenariat avec un frère noir, je vous dis, c'est un collaborateur ou c'est votre frère carrément enfin, dans votre famille. On est sur un 2 de denier, donc en fait, on est mi-figue, mi-raisin, on ne sait pas trop quoi faire. Et donc, avec la carte, évidemment, d'Uriel et du Sphinx à l'envers, eh bien, en tout cas, vous allez complètement trancher, hein, puisque la carte, c'est le numéro 21, on est, je vous dis, dans le fou. Et donc, en tout cas, vous allez complètement massacrer tout ça, parce que vous allez rendre les choses assimilables. Voilà, et donc c'est ça. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui part, en tout cas, d'un partenariat. Voilà, avec Uriel, vous allez être aidé évidemment par le divin pour cela. Avec Uriel qui va trancher avec vous. Hein. Uriel, c'est un peu Michael. Hein. Enfin bon, je ne vais pas dire ça, mais c'est un peu ça quand même. Donc là, on va dire dégager la voie. Donc la carte est à l'envers. Donc très clairement, par rapport à votre arbre généalogique, par rapport à vos problèmes d'identité, par rapport à votre famille, le fait que vous portiez tel nom, pas tel autre et compagnie, en fait là, on va dire, vous avez dégagé la voie puisque la carte est à l'envers. Et ça concerne aussi par rapport à des dépendances sexuelles, des dépendances affectives. Et vous allez dégager, en fait, vous allez dégager la voie. Avec le 4 de clé, je vous dis, on est sur un passage. Bon, je vous la mets à l'endroit, c'est plus agréable. Voilà, vous dégagez la voie. Parce que là, il y a un gros. Vous voyez, c'est un arbre. Donc, votre arbre généalogique vous empêche d'avancer. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des mensonges. Et ça vous empêche d'être dans l'intégrité de vous-même et d'être dans l'unité de vous-même. Voilà, et c'est pour ça que c'est bloqué. Et c'est pour ça qu'on a le chariot à l'envers. Parce qu'en tout cas, visiblement, par rapport à une union, vous avez des choses dans votre arbre généalogique qui vous bloquent. Bon, si on peut plus simple. Et donc, en tout cas, lors d'une réunion peut-être familiale ou peut-être chez un psy, eh bien, en tout cas, vous allez faire toute la lumière sur cette histoire. Ensuite, alors, je vais prendre les petits animaux parce que je sais que vous aimez bien. Aujourd'hui, c'est chaud, hein, je vais vous dire. Alors, une, deux, et trois. Alors, sur la balance, eh bien, vous avez les pas d'un cheval ou peut-être deux fers à cheval. Donc, on va dire, vous avez la protection du cœur aussi. C'est la protection aussi par rapport à une ascension. Visiblement, il y a quelqu'un qui fait du trek aussi.
Et donc, en tout cas, par rapport à des gens qui vous ont balancé, des gens qui ont ragoté dans votre dos aussi, eh bien, en tout cas, vous êtes en train de cheminer, de sortir, en tout cas, des toilettes des dames. Ensuite, le deuxième. Bon, alors, il y a des gens, on va dire, à la nuit à New York, donc là, ça me fait penser à des dents. Sur fond rose, on a du noir. Donc, en fait, on est en train de nettoyer tout ça, évidemment, avec Uriel et le Sphinx. Carte numéro 21, 21, ça veut dire Chine, en fait, en lettres hébraïques. Et donc, en fait, il y a des personnes qui ont... Voilà, qui sont dans la vengeance ou qui avaient des dents contre vous. Et donc là, en tout cas, grâce, on va dire, peut-être à de l'amour ou de la passion, puisqu'on est sur fond rose, on est sur le cœur, eh bien, vous allez peut-être nettoyer, assimiler avec vos dents des choses qui, visiblement, sont très négatives, puisque c'est noir. Et là, avec Highlander, nous avons soit des grains de café, alors ça parlera à certaines personnes, soit ce sont des graines, hein, c'est sur fond gris, donc en fait ça concerne l'argent, ça concerne la matérialité, et donc ça concerne le début, évidemment, les graines c'est le début, et donc on va dire qu'il y a des graines qui ont poussé sur des valeurs matérielles. On va dire aussi que pour certains, votre arbre généalogique est basé sur des valeurs matérielles. Et donc, en tout cas, par rapport à un 4 de clé, eh bien, vous allez dégager la voie de votre arbre, évidemment, généalogique qui vous empêche d'avancer et d'ascensionner dans votre vie. Voilà. Dernière chose. Je fais mes petites. Bon, ça va durer 30 plombes, hein, mais bon, écoutez, c'est pas grave. C'est assez important. Voilà, il faut quand même. Voilà, il y a des gens. Voilà, pour des masculins, en tout cas, il y a une balance. Une balance dans votre relationnel. Allez, hop. Donc, Guébourra, bon, bah, c'est toujours des histoires de justice, mes amis. Carte numéro 39, eh bien, on est dans le pendu. Donc, en fait, ça concerne de la soumission filiale. Donc, on retombe dans l'arbre généalogique. Donc, en fait, il y a des masculins qui sont soumis à leur famille. Qui vont être aussi, ils vont avoir plus de confiance en eux parce qu'en fait, toutes ces croyances familiales, en fait, vous mettez dans l'anxiété. Et donc, pour certains, vous allez surmonter des problèmes de maladie mentale. Alors, quand je dis maladie mentale, évidemment, ça concerne en fait les 70 anges de la Kabbale. Donc, en fait, la dualité mentale est une maladie mentale. Vous voyez, sauf que tout le monde a une maladie mentale puisque tout le monde est plus ou moins dans la dualité du mental. Donc, il faut remettre les choses, en fait, dans leur contexte. Mais il y a peut-être des gens aussi qui prennent beaucoup de médicaments. Et donc, en tout cas, peut-être qu'en allant vers une certaine purification, une certaine pureté, de vous-même, eh bien, vous allez, en tout cas, purger, les problématiques, évidemment, qui sont de votre fait, mais aussi du fait que vous étiez aussi entouré de personnes, notamment des membres de votre famille, qui vous mettaient dans une certaine forme de soumission et qui vous empêchaient évidemment d'avancer, et c'est pour ça qu'on a cette histoire de dégager la voie, vous voyez, avec l'arbre sur la route. Donc voilà. Alors ensuite, donc là avec les fers à cheval, on est dans l'alchimie, transformation. Donc en fait, il y a des masculins qui vont devenir des personnes totalement différentes, qui vont être dans la sagesse, dans la fécondité. Voilà, ils vont faire des projets, ça va leur plaire. Vous allez totalement vous transformer. Et là, on est vraiment sur la pensée. Donc, c'est des masculins qui pensent ça en ce moment et pas dans 3 mois. Là, en fait, par rapport en fait aux dents, donc il y a des gens qui ont des dents contre vous, qui veulent vous se venger, ils sont dans la trahison, enfin tout ce genre de conneries. Donc là, carte numéro 49, hein, donc en fait, on est sur la lettre hébraïque même, on est sur 49, ça fait 13 évidemment. Donc en fait, on est donc sur l'eau, sur les émotions, hein, donc évidemment, ça va pas être facile. On est dans le chakra du cœur, hein, aussi.
avec Tiferet, hein, c'est pour ça que c'est rose. Vous êtes sur la transformation, sur le changement, sur vous êtes dans l'élévation, vous êtes inspiré, vous allez découvrir en fait un grand talent. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage, soit c'est une personne auquel vous tenez. En tout cas, c'est une relation de cœur. Vous êtes dans la pensée, donc c'est ce que vous pensez en ce moment. Vous êtes dans la générosité, vous allez être dans l'altruisme. Et donc, vous allez vous séparer aussi de personnes qui sont égoïstes et haineuses. Ou peut-être que vous êtes aussi, on va dire, peut-être dans la vengeance en ce moment et dans la haine et dans la colère. Et donc, en tout cas, vous allez comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation. Et vous allez, en tout cas, couper, évidemment, avec la mort. Voilà, ça va être une nécessité pour vous d'accéder en fait à de nouvelles perspectives de vie, de changer, de vous améliorer, de progresser et d'avoir un nouvel optimisme de la vie. Évidemment, l'optimisme, c'est vous qui décidez ça le matin en vous levant. Si vous voulez avoir une bonne ou une mauvaise journée, c'est votre intériorité et ça n'a rien à voir avec les gens qui vous entourent. Bon, après, si vous êtes vegan, il ne faut pas vous entourer de gens qui mangent que de la viande toute la journée. C'est assez clair. Ensuite, comme les gens qui arrêtent de boire et en fait qui vont fréquenter que des gens qui sont des alcoolos, vous voyez, c'est un peu contradictoire. Donc là, bah, toujours la carte 72, donc on arrive vraiment à la fin d'un cycle, hein, puisque voilà, 72 anges de la cabale, donc fin d'un cycle. Donc vous êtes en train de, par rapport en fait à des croyances familiales où on va dire vous êtes en train de planter votre graine, vos graines, vous êtes en train de renaître, il y a un changement d'amour ou un changement de ville, vous êtes en train de changer aussi votre entourage, vous étiez dans le désespoir, dans la ruine. Et donc en tout cas vous étiez aussi, il y a des gens qui ont voulu se suicider, hein, carrément, hein. Et mais ils ne se sont pas suicidés, hein, sinon voilà. Donc il y a une renaissance en tout cas, et ça c'est dans votre pensée, et vous étiez entouré de personnes qui vous étiez assez contraires et assez mauvaises. Alors j'ai mélangé plusieurs tarots, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, pratons, chers amis. Alors là, on vous dit, il est temps de partir. Bon, on avait compris. Ensuite, les lois spirituelles de l'attraction. Donc en fait, vous êtes en train d'attirer votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Et là, vous avez médité avec Siddhartha Gautama Buddha. Donc, en fait, ce sont des personnes qui, par rapport à leur arbre généalogique, vont méditer. Lors, on va dire, d'un voyage à l'étranger, eh bien, vous allez être dans l'attraction de votre âme sœur, voyez. Et vous allez investir, en tout cas, du temps pour comprendre. Et là, sur la balance, évidemment, d'une situation qui vous a rongé, visiblement, et qui vous a ruiné pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de partir. Et là, nous avons toujours la loi de l'attraction. Bon, c'est à l'envers, mais ça peut être à l'endroit. Donc, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc, en fait, on est bien sur une élévation spirituelle par rapport à des masculins. Ensuite, je continue. Bon, pareil, j'ai mélangé plusieurs tarots, enfin plusieurs oracles. Bon, j'ai mélangé Marie avec Ganesh. Hein. Enfin, bon, les personnes qui sont à fond sur le catholicisme, il ne faudra pas m'en vouloir. Voilà, moi c'est comme ça. Le plus important, c'est ce qu'on vit intérieurement. Hein. C'est pas. Voilà, les statues, c'est juste des véhicules, voyez, il faut voir ça de cette façon-là. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est ma vision, c'est la vision de beaucoup d'Asiatiques aussi. Alors là, nous allons avoir Marie. Alors, Marie qui vous prévient de l'ingérence de personnes qui vous entourent. Il y a de l'ingérence aussi par rapport à des projets internationaux. Donc, il y a des gens qui vous donnent évidemment des idées. Ça peut être... mais bon, l'ingérence, c'est quand même assez négatif.
Donc en fait, les masculins, ben, il ne faudra pas écouter évidemment les gens qui vous donnent voilà, soi-disant des bons conseils, parce qu'évidemment, ce seront des mauvais conseils. Et il y a peut-être aussi une histoire avec une flamme jumelle ou une âme sœur, puisque j'ai Adam connu la femme Ève. Donc en fait, il y a des gens qui s'ingèrent aussi dans vos relations sentimentales. Alors sur la balance, nous avons évidemment l'abondance, le jardin de l'abondance. À l'envers, voilà. 38, évidemment, c'est. Bon, bah, vous avez compris qu'il n'y avait pas d'abondance, en tout cas, dans une situation, et il est temps de partir. Là, sur la nuit à New York, on a la lune à ses pieds. Donc en fait, là, en fait, on va dire qu'on va sortir de l'émotionnel, on va sortir des pleurs, on va sortir de tout ça. Voilà, parce que bon, c'est lunaire, si vous voulez. Donc en fait, vous allez trancher par rapport peut-être à des pensées sombres. Et là, en tout cas, avec la Notre-Dame du feu sacré, en méditant, vous allez avoir le feu sacré. Alors, voilà. Et je finis par ça. Bon, là, c'était vraiment très complet, hein. C'est la méditation qui va vous permettre en fait de dégager la voie de l'arbre qui vous bouche l'horizon. C'est votre arbre généalogique, c'est des mensonges en fait. C'est des choses qui. Vous savez des choses qui sont fausses et vous savez que ces choses sont fausses. Voilà. Et là, vous allez avoir un éclaircissement, vous allez avoir une illumination. Et ça va se passer lors d'une réunion de famille, vraisemblablement. Peut-être des gens qui vont partir ou qui vont. Ça peut être aussi par rapport à un verdict ou par rapport à une signature. Ça peut être par rapport à des documents familiaux. Une signature légale. Voilà. Donc là, nous avons événement imprévu, défi. Donc là, en fait, on va dire que la carte était à l'envers. Donc ça reprend un peu la stagnation et le fait, en fait, que des décisions ont été reportées. Ça peut être aussi des signatures qui ont été reportées. Alors là, on a contre-dame. Donc en fait, vous partez d'une situation, peut-être d'une union, peut-être, voilà. Par rapport à par rapport en fait à des personnes qui vous ont balancé, des personnes qui ont dit des choses sur vous et tout ça. Donc en fait, c'est karmique, c'est parce qu'en fait vous avez un contrat d'âme à accomplir. Là, en fait, on a le soldat de lumière, une nuit à New York, donc quelqu'un qui va avoir un très très gros éclaircissement. Voilà, vous allez peut-être errer dans les rues un peu comme Charlie Chaplin, et puis en fait, vous allez être éclairé avec les lumières de la ville aussi. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de lumière, vous voyez, le soldat de lumière, et puis les lumières de la ville. Et donc vous allez sortir de votre côté, de votre côté lunaire aussi. Avec l'as de bâton, vous allez en fait engager une action. Et donc en tout cas, on a le dirigeant en tout cas à l'envers, 5 ans de vie. Donc en fait, vous aviez l'habitude, on va dire, de prendre les choses en main. Et là, en tout cas, vous êtes en train de quitter en tout cas soit un rôle que vous jouiez dans votre famille, soit carrément en fait, vous prenez la décision de partir d'une entreprise. Voilà, bah écoutez, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Désolée pour le changement de lieu. Voilà, à bientôt. Au revoir.